La réalisatrice de Mustang, premier film multiprimé, Denise Gamzé-Erguven, est de retour avec Kings, un film qui nous transporte dans les quartiers populaires de Los Angeles au moment des émeutes raciales de 1992. Il y a longtemps que la cinéaste porte ce long métrage. Elle y décrit la vie d'une famille afro-américaine pour laquelle la violence fait partie du quotidien. Halle Berry est bouleversante. Elle partage l'affiche avec Daniel Craig, le portrait de cette cinéaste franco-turque par Alexandra Rouault. Elle avait commis un hold-up au César en 2015 avec son premier film Mustang. Elle a traversé l'Atlantique pour concourir à l'Oscar du meilleur film étranger. La franco-turque Denise Gamzé-Erguven est un phénomène. The four Los Angeles police officers who appeared in that videotape of the Rodney King beating went on trial. Pour son deuxième film, elle a choisi les États-Unis et a séduit Daniel Craig et Halle Berry. Kings nous plonge au cœur des émeutes interraciales de 1992 à Los Angeles, un sujet qui fait écho à sa propre identité. J'avais été refusée la nationalité française pour la seconde fois et je pouvais comprendre dans le chagrin et la colère des émeutiers de 92 à Los Angeles, quelque chose qui était de l'ordre de communauté qui disait « Je n'ai pas choisi d'être dans ce pays je l'aime très profondément, mais il me refuse. » Donc en ça, j'avais un pont. Dans Mustang, elle partait aussi de ce qui la constitue en abordant une autre forme de discrimination, celle des femmes muselées par la société patriarcale. Je pense que je serais tout le temps du côté de... j'ai un côté un peu minoritaire né, ou bien celui qui a besoin d'être affranchi, né... Enfin voilà, je suis de ce côté-là. Denise Gamzé-Erguven tient sa force dans les murs qu'il lui a fallu briser jusqu'ici. Elle s'est forgée toute seule sa culture cinéphile et a poussé la porte d'une des plus grandes écoles de cinéma, la Fémis. Le cinéma m'avait resté comme mon langage. Et je me disais, il y a tout un tas d'endroits où jamais je serais intégrée. Et là, c'était ma place. Je savais qu'il y avait une chaise à la Fémis qui était pour moi. Côté référence, elle nourrit une passion pour La Nuit du Chasseur. Elle adore aussi Bergman, Fritz Lang ou encore l'univers de David Lynch. Mulholland Drive, c'est juste la perfection absolue. C'est filmer comme on perçoit les choses, c'est-à-dire pas du tout de manière naturaliste, mais à la manière de... à la fois un rêve avec tout ce qui se passe dans l'inconscient d'un personnage, les personnages qui se télescopent selon la place qu'ils peuvent avoir dans notre vie, dans un rêve, des choses comme ça. Et c'est juste une narration parfaite. La connexion entre les personnages s'illustre souvent par l'amoncellement des corps chez la réalisatrice. Dans Mustang comme dans Kings, les peaux se touchent, les bras enveloppent, le groupe est un refuge. Je me rends compte que je filme toujours un corps par rapport à l'autre. Et par exemple, toujours avec des focales très longues, même quand les personnages sont un peu loin, pour qu'ils se touchent. Enfin, même quand les personnages ne se touchent pas, dans l'image, ils se touchent, ils se superposent, ils sont collés l'un contre l'autre. J'ai tourné cet hiver un petit film pour l'Académie des Césars, Les Révélations, et tout était pareil, j'avais envie que tout le monde soit ensemble tout le temps. Enfin, je pense que c'est ce qui m'intéresse, en fait. C'est les échevaux de personnages, de destin, de comment on se croise, comment est-ce qu'on... Puis ce qui devient glorieux, quoi. C'est-à-dire comment est-ce qu'on s'aide les uns les autres, comment est-ce qu'on se porte les uns les autres. Rien ne semble résister à la volonté et au talent de Denise Gamzé-Erguven. Aujourd'hui, l'Amérique lui ouvre les bras, mais elle demeure consciente du chemin qu'il reste à parcourir en tant que femme réalisatrice. En fait, moi, j'ai l'impression d'avoir braqué mon premier long métrage. J'étais inaudible en termes de production. On ne m'entendait pas. Enfin, c'est comme si je parlais comme ça. Maintenant, il faut que les choses changent, parce que d'une certaine manière, c'est... En arrachant nos films, en faisant nos preuves, enfin, ce qui est en train d'arriver, c'est une espèce de déferlante qui pour l'instant, se focalise que sur les histoires de harcèlement. C'est aussi parce que les femmes sont arrivées à un certain... Enfin, la preuve est faite qu'on est vachement plus fortes. C'est nous qui faisons les films ces dernières années, quand même. Donc, et puis, c'est un peu plus intéressant. Puis, on a un peu fait le tour de certains films de garçons qui se répètent un peu. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que le pouvoir, c'est un peu arraché. Stop, here comes the LAPD. Bum 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 bum. Hey, you looking for some kicking on it? You need to watch your remarks again and lower the volume. You are disrupting the entire school. You saw what they did to that Rodney King. You saw his face after he got beat.